famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Yacine. Yo. Aujourd'hui, la famille va faire un 24 heures de manipule motocross. Ouais, t'es une motocross. Ouais, une lunette, c'est pas une sauterie, une motocross, c'est chacun d'entre nous. Sérieux? Oui. Ouais. Allez, tiens, voilà. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pour moi. Je laisse. Ma motocross, du coup, tu peux me la donner? Oh, mais vous êtes déjà là, j'ai pas eu le temps de manger mon goûter. C'est pas grave. Salut la famille, j'espère que vous allez bien parce que je vous êtes là. Alors, je vous ai offert deux motocross. Ouais. Est-ce que t'es prête Myriam? Oui. La famille, on a reçu une méga motocross pour Myriam. Vous allez la découvrir avant elle. Ferme tes yeux. Oui. 3, 2, 1. Et parti les gars. Oui. Petite motocross pour Myriam. Écoute. Tu vas devoir passer 24 heures avec. À la maison. Dehors tout le temps, tu devras l'utiliser. Mais d'abord, présente-nous comment on en fait tout. Dis-nous tout. Regarde, déjà pour vous montrer les gars. Ici, on a le numéro 7 comme CR7. Les gars, vous avez vu, elle est trop belle. Ça fait une mini cross. Ici, on a 3 vitesses. Vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Là, on va la mettre à la vitesse 3 parce que nous, on est des fous furieux. Au niveau du poids, c'est combien? On peut faire jusqu'à 65 kg, les gars. La batterie, oh, elle est ultra résistante. Tu peux rouler jusqu'à 25 km/h. 25? C'est une dinguerie. Les gars, elle a 300 watts de puissance, les mecs. Calme. Donc là, les gars, maintenant, je vais proposer à Yacine une motocross. En plus, c'est une moto tout. C'est-à-dire qu'on peut aller sur la boue, sur le béton, sur l'herbe, elle va rouler à 25 km/h, c'est une dinguerie. Ah oui, et tous les papas et tous les grands frères qui regardent cette vidéo, offrez-le à vos petits frères ou à vos enfants. C'est vraiment une dinguerie comme un incroyable. Inès, t'as dit que t'allais m'offrir une autre moto à moi aussi, j'espère que c'est pas un prank, je vois plus une moto dans la salle. J'ai pas vu une moto dans la maison, ça veut dire peut-être que c'est un prank. Et on arrive avec le scooter de Yacine. Oh là 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 là. C'est encore mieux qu'une motocross, les gars. Mais c'est incroyable, je la connais celle-là. C'est la Evercross. Mais elle est incroyable. Encore mieux qu'une moto. Est-ce que tu savais qu'il y a les clignotants comme les voitures? Ah ouais. Mais le clignotant. Waouh. C'est un truc de ouf. Mesdames et messieurs, nous avons un tableau de bord plutôt exceptionnel. Nous avons le kilométrage juste ici. Nous avons 3 modes. Le mode économique, le mode dynamique et le mode sport. Évidemment, la possibilité de mettre les phares. Donc là, les phares sont éteints, je les allume. Nous avons aussi la possibilité de mettre les clignotants. Regardez le bruit. Waouh, c'est une dinguerie. Et bien évidemment, oh, ça bombarde. Et t'as pas vu, pour les gros, comme je sais que toi t'aimes bien manger du quinoa, nous avons des amortisseurs. Donc les gars, vous passez 24 heures et vous avez pas le droit de descendre. Inès, on fait quoi du coup dans la journée? On peut faire ce que tu veux si tu vois, c'est une dinguerie. La première chose qu'on va faire, Myriam. La première chose qu'on va faire, c'est que vous allez vous laver. Il est hors de question qu'on sorte dehors. Allez, vous lavez votre figure. On commence la journée par de la nettoiement. Vas-y, va à la salle de bain. Va à la salle de bain, dépêche-toi. Va à la salle de bain, dépêche-toi. Oh. Eh, c'est grave dangereux. Wow. Allez, vas-y, sans faire d'accident. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais la reprendre, je crois, ici, elle est trop puissante. Vas-y, ça bouchonne, là. Attends, mais comment c'est sûr qu'il y a des baskets, là? Pourquoi tu ne rentres pas des baskets? Non, mais dis-le pas. Et commencez pas à vous battre, vous deux, là, vas-y. Laisse-la faire sa toilette, va te nettoyer, dépêche-toi, va te nettoyer. Je mets mon clignotant, Younes, je dois tourner à gauche. Yacine, pourquoi t'as pas fait le ménage? Je mets mon clignotant. Eh, recule, je pourrais pas reculer après. Ah, c'est comme ça, c'est les bouchons. Myriam, elle se lave la figure, la famille, mais c'est très important de se laver la figure. Je suis trop pressé de la tester, je pense qu'elle doit bombarder. Eh, arrête. Oui, il faut faire demi-tour, là, Myriam. Clignotant. Myriam, tu t'es lavé la figure, là? Tu te fiches de moi? Lave-toi bien la figure, s'il te plaît. La gueule est bien sur sa moto, c'est pas de la triche. Lave-toi bien partout. Parce que t'as vu quand tu te lèves, t'as des trucs bizarres dans les yeux là. T'as les crottes de nez des yeux. Voilà. C'est pas les crottes des yeux, c'est les crottins de cheval. Ok. Bon, maintenant on peut aller passer au petit déjeuner. Ouais, trop bien. Demi-tour. Ah, mais je suis bloqué. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lève-la en I et débrouille-toi là. Attends, je fais demi-tour. Excuse-moi. Myriam, attends, je fais demi-tour. Mais je vais te poncer dedans. Mais t'as même pas mis ton clignotant. Marche arrière. Arrête. Marche arrière. Oh là là. Marche arrière. Avance, avance. Clignotant. Avec toi. Ok, c'est l'heure du petit déjeuner, les gars. On met la béquille, tac. Wouah, Myriam. Oui, Younes qui voulait bouffer, Younes. Attends, des doigts, des flancs brochèmes. Attends. Mais c'est ça le petit déjeuner. Déjà, pas toi. Des marshmallow au chocolat. C'est ça le petit déjeuner, les frères. Alors, je vais prendre deux petits Ferrero Rocher. Mais Younes, c'est pas du quinoa. Non, là, vous avez 30 secondes. Prends-lui un petit déjeuner. Je sais que toi, tu manges pas le matin. Aide-la à prendre un petit déjeuner. Après, vous allez manger. Dépêchez-vous. Ok, alors regarde, tu prends un petit Ferrero Rocher. J'ai pris déjà. Ok, c'est carré. Un paquet de chips, c'est la fromage. Non, les lèvres. Ok, des lèvres. Tu veux Kinder Duo ou pas? Je vais les mettre ça dans ma petite réserve. T'as déjà Kinder Duo? Allez. Prends ton oreille. Ok, des doigts, des paquets de chips. Allez, on se retrouve à la table. C'est bon, y a plus le temps à la table. Ok. Mais j'ai pas de coffre. Oh, j'ai une idée, je vais faire. Regarde comment tu travailles. Je vais mettre un truc là.
Je vais mettre un truc là, 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 comme ça. Voilà. Allez, madame, faut y aller là. Attendez, je peux pas. Mais du coup, t'as plus de frein là. Je préfère les Kinder aux freins. Bah oui, et c'est quoi, c'est sûr que t'es. Mais n'importe quoi, Myriam, ma trottinette elle va à 2000. Toi, ta moto, c'est une moto pour les enfants. Moi, c'est pour les adultes. Ouais. C'est-à-dire, moi je te trace, c'est sûr. En même temps, j'aime pas ça. Non, 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 non. Écoutez-moi, j'aime pas besoin de mettre le mode sport avant de te tracer. T'as ça, toi? Écoutez-moi. Tout à l'heure, on va aller dehors, on va se régler. Ok. De 1. De 2, t'es en train de manger, tu deviens encore plus lourd, donc il va encore plus te tracer. C'est vrai, ça c'est vrai. Mange pas. Non, mange, rigole, c'est bon, mange. Après, ça va dire, Myriam, mais mange pas, nanani, nanana. Donc là, les gars, regardez les gâteaux qu'ils ont pris. Ils ont pris. C'est ça, tu peux nous parler de ça, de douap, les gars, c'est des douap. Ça, c'est les gâteaux du goûter quand tu rentres de l'école. Quand tu rentres de l'école, il faut toujours des douap. Tu te rentres dans le lait ou le chocolat chaud, tu manges. Quel délice. Essayez chez vous, vous allez kiffer. Oh, mais regardez, Myriam, elle attend les abonnés avant de manger. Mais c'est gentil. Regardez, les gars, Myriam, vraiment, c'est vraiment une masterclass, celle-là. Oh là là, du Ferrero Rocher, je peux en avoir? Bon les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on commence la journée tranquillement, on va pas direct dehors. Est-ce que ça vous dirait de faire une partie de PlayStation? Mais comment on fait, Yoné, pour faire de la PlayStation avec la trottinette? On laisse jouer Myriam avec sa motocross, j'ai un nouveau jeu de moto, on va voir si elle est forte à la moto. Ok. Bombarde. Allez, on y va. Allez, du rythme. Voilà, allez, t'as raison. Allez, on y va, hop. Non mais si tu sais pas rouler, je te reprends la moto, ça sert à rien. Allez, on y va, du rythme. Allez. Ok, allez. Parfait. Cette journée en motocross va être incroyable. J'ai eu la meilleure idée. Tu prends, mets ton tablier, viens, je te l'enlève. Non, c'est pour manger. Mais tu vas manger après. Non, Myriam, je vais manger après. La nourriture va pas sauver. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Oui. Je préfère le garder en cas de sécurité. Non. J'ai pas mangé encore. Yonès, laisse-moi jouer, s'il te plaît. Les gars, Myriam ne sait pas jouer au jeu de moto. Je sais quoi, regarde, je vais te prêter la manette. Si tu sais bien conduire et tu réussis bien l'examen, je te laisserai conduire. Sinon, je reprends la moto. Eh, regardez, c'est la même moto. Regardez, la moto rouge, la moto rouge. Ouais. Donc, Myriam, je vais te demander de faire une accélération et de te garer parfaitement. Ok, bah y'a pas de soucis. Moi, je suis une pro de la moto, je suis une pro de Roblox aussi. Ok, c'est parti. Là, je vais te prouver que je suis à faire. T'es prêt? Ok. Déjà, on roule pas dans l'herbe. Une moto. Elle va trop vite, sa moto, Younes, regarde. Accélère. Y'a un stop. C'est un sens interdit. C'est un sens interdit. Ah, mais là, c'est bon, là, je suis sur la bonne voie. Ok, vas-y, mais roule sur la route, roule pas sur le trottoir, Myriam, je vais pas te donner ton examen. Va sur la route. Ah, mais sur la route, c'est dangereux, non? Non, c'est pas dangereux, t'es une moto, frère. Oh my god, allez, on enlève. Non, s'il te plaît, c'est juste le petit échauffement, je voulais voir comment ça marchait. Ok, maintenant ça joue vraiment. Reprends ta moto. Mais sa moto, elle est cassée. Elle est pas cassée, elle. C'est un bug du trottoir. Sa moto, elle est cassée. Je vais vous montrer c'est qui le boss. Donc là, on a changé de jeu. Là, j'ai pris ma moto squelette. Regardez, deux trempes. C'était la première chance. Bon, là, c'est reparti. T'as trois chances. Ok, là, le tremplin. Mais toi, t'es vraiment un caca ambulant. Mais frérot, mais ce jeu, il est plus dur que son jeu à elle. Le tremplin, on a. Aïe. Dernière chance. Si j'y arrive pas, la Myriam, je sors de ta moto. Ok. C'est vraiment trop maintenant, grave. Maintenant. Oui. Là, Myriam, c'est ta dernière chance. Si tu réussis, dans la big boss. Ok, attention, Myriam qui s'élance. C'est parti, les amis. Pas. Ok, elle va réussir. Oui, elle a raté. Attends, j'ai pas raté. C'est ta dernière chance, Myriam, vraiment. J'ai pas raté. Wesh, elle est dans un autre monde. Je sais pas ce qui s'est passé, les gars. Elle me dire comme dans GTA. Descends, allez, vas-y. Ok. Je suis la big boss. Vous savez pas que c'est ça la réalité des vidéos. Younes, vu que moi je peux pas descendre dans l'escalier, c'est trop dangereux. Il est obligé de la descendre comme ça. Oh. Allez, grand frère. Allez, Younes. Elle est pas vraiment lourde. Elle est pas vraiment lourde, mais en fait j'ai tellement peur de tomber que je fais super attention. Par contre, les gars, la grosse, cherchez pas à comprendre, je vais pas la monter, c'est mort. Elle est trop lourde, c'est mort. Allez, Younes. En plus, la moto 7 de CR7, là t'as la fin. Combien est-ce que je peux faire avec ta moto? Comment, je vais pas la casser. Regardez comment je suis fort. Ouais, mais la casse pas non plus, hein, parce que. J'ai pas envie de rouler sur du ressort, quoi. Là, les gars, il y a un gros problème. Regardez en face, il y a le feu. Je sais pas si on doit appeler les pompiers ou pas. Mais attends, mais parce qu'il faut pas de barbecue en hiver. Hein. Non, il y a pas de barbecue en hiver, c'est impossible. On appelle les pompiers ou pas? Où tu vois le feu? Regarde là en face, tu vois bien la fumée là. Est-ce qu'on appelle les pompiers ou. Faut aller demander, les gars, parce je vais faire mon super saut. Ah, ça pue, je crois qu'il y a vraiment le feu. Hein. Mais Younes, faut appeler les pompiers parce que le feu il se propage, après il va venir jusqu'ici. T'as raison, il y a le feu. Hein. Oui, il y a le feu. J'appelle les pompiers. Monte sur la super trottinette et regarde. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas, dans les moments comme ça, je vais paniquer, je rigole. Alors? Bah, j'ai été voir le voisin, il a dit que c'était pas chez lui. Il a dit que c'était pas encore à côté. Il a dit il voit pas de flamme ni rien, il voit que de la fumée, ça vient de loin. Il a dit il pense que c'est des gens qui crament des feuilles, donc pour lui, faut pas appeler les pompiers. Et t'es parti avec. Avec les casquettes de sécurité de papa, on sait jamais. Bah attends, on sait jamais s'il faut rentrer dans les flammes. Je suis sûr de sécurité. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit faut pas appeler les pompiers, il crame des feuilles. Ouais, peut-être il crame des feuilles. Qui crame des feuilles? Bah, ça existe, des fois les gens ils crament
des factures, des papiers. Des... C'est Yacine, calmez-vous. Ah, Yacine, calme-toi, c'est notamment un point. Là, les gars, on va faire un tennis ballon. Les gars, le filet, c'est la méga motocross et la méga trottinette. On va voir qui est le plus fort en foot d'entre vous deux. C'est moi. C'est qui le plus fort entre vous deux? C'est moi. C'est toi? En plus, regardez, j'ai les chaussures qui piquent. Tu vois ces chaussures-là, si je fais ça. Ah, c'est du bout de métal au bout. Des chaussures de sécurité, bout de métal. Elle est raide, dites à Myrem quand elle filme, elle fait pas. Une respiration. T'es un. Tu vas pas gagner, ça passe. Bout de métal. Putain, bout de métal. Bout de métal. Ok. Oui. Oui, Non, Myriam, arrête, non. Et maintenant il est pieds nus sur le froid. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est Younes. Ok, parle, toi tu parles. Va là-bas, Myriam, viens contre moi, VS1, je vais prendre des. Du coup, c'est moi le fort de la famille. Non, je faut que je. C'est moi le fort de la famille au foot, c'est moi le fort de la famille au foot, du coup. Attends, je vais mettre mes crampons. Non. Les gars, on l'a dit, quand on perd un match, jouer toujours contre quelqu'un de plus nul pour gagner. T'es prêt? Oh! Et c'est parti, ça joue! Ah, elle enlève ses chaussures. C'est un match de foot, Faut dribbler. Allez, go, c'est parti. Myriam, elle a la balle. Ok. Oh, Younes qui récupère. Oh, elle sort, balle à Myriam. Myriam, tire. Et tu veux tirer, il y a ta moto. Vas-y, tire, Myriam, moto. tire. Ta moto, tire sur ta moto. Ok. La frappe. Oh. Et Younes, 1v1 pour Younes. 1v1 pour Younes. Younes qui va essayer de dribbler. Oh, Myriam qui campe. Elle campe, Myriam, elle campe. Ok. Oh, Myriam qui défend. Sans faute, monsieur. Jouez. Va marquer. Ça a la main, Myriam, ça a la main. Allez, c'est parti. Celui qui marque, il a gagné. Ok. Younes. Oh, Myriam, le pressing comme le Barça. Ça passe. Goal. Quand on joue contre quelqu'un qui est nul, c'est facile de gagner. Bien joué. Claquetasse. Et c'est confisqué. Non, c'est confisqué. Oh non, Myriam. C'est normal, tu manques de respect aux grands. Faut pas manquer de respect à vos grands frères. C'est vos grands frères, ils sont plus grands, faut pas leur manquer de respect. Hey, il fait froid, non? Papy. Il fait cas, le sol il est glacé. Mais regarde comment t'es aussi. Fallait pas prendre les chaussures de sécurité de papa. Arrête, j'ai pas pris les chaussures de sécurité de papa, arrête. Moi pour la peine, je rentre. Les gars, ça se retient. Et si j'essaye d'en faire à votre avis, c'est oui. Allez, c'est parti, je vais essayer. On va enlever la béquille. J'ai trop peur parce que c'est une maxi trottinette. Wesh, comment ma vie? Wesh, mais j'appuie même pas. Dégage, microbe, tu sais pas faire. Attends, ma trottinette. Vas-y, monte, t'as quitté. Django Moto. Viens, on fait la course. Mais t'es là. Ah, c'est là, ça va, Younes. Mais c'est une dinguerie ce que tu fais, tu disparais d'un coup. Non, s'il te plaît, je te dis rien, tranquille, c'est 24 heures en moto, t'es sur la moto, y'a pas de problème. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Attends, sors la marchandise, t'inquiète pas, on va s'arranger. Il y a que pour un, on va s'arranger. Ouvre ce qu'il y a dedans, tu vas me sortir, ça se trouve, il y a des pétards. Bah attends, je peux pas manger sur la moto. Bah t'as qu'à trouver une solution, t'es obligé de rester sur la moto. Ah, genre, tu vas te faire une table. Ouais, voilà. Les gars, elle a pris une grosse boîte Pepe Chicken, c'est une dinguerie. Mais attends, par contre, je peux juste décaler un peu ça comme ça, tu vois. T'as pas le droit de quitter la moto, hein, sinon t'as pas respecté le défi. Eh, par contre, moi c'est vrai qu'il y a que moi qui mange, hein, parce que moi je fais que 26 kilos. Mais t'abuses, Myriam, laisse-moi manger. On va commencer par goûter by frites Pepe Chicken, bro. Pourquoi tes frites, ils sont c'est pas des frites, ça, c'est si. Appelle pas ça des, mais n'importe quoi, c'est pas des frites, c'est des waffle frites. Voilà, merci. Comment ça s'appelle waffle frites? Carré. Normalement, je pense que quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Hein. Oh. Si, regardez les gars. Genre les frites, on tranche en deux et le burger, on peut trancher en deux les frites. Comment ça? Non, si, arrête de. Non, y a on pas. Tranche en deux, vas-y, on tranche en deux. Non, commence pas, Myriam. Arrête, je te laisse manger, y a pas de problème, tu m'en laisses un peu, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est quoi ça? Je t'ai pas éduqué comme ça, faut partager dans la vie. Les musulmans, ils doivent partager entre eux. Mange et tu m'en laisses tranquille. Prends ton burger. Fais voir les burgers de Pepe Chicken, comment ils sont? Ça a l'air d'être une sacrée dinguerie, les gars. Le burger, il est maximum balèze. Regardez-moi ça. Ouvre-le un peu à l'intérieur. Waouh, en plus, y a de la fumée qui sort. Je vais te laisser taper un croc dans ça. De toute façon, je pense qu'il est tellement balèze que tu pourras pas le finir. Il y a deux maxi poulets dedans. Je sais pas si tu t'adresses là, mais je pense que tu t'adresses pas, moi. T'as dit, tu fais 26 kilos. Et alors? C'est justement pour ça que j'ai faim.
Ça mérite une accélération, elle est malade. Fais-le pas tomber, je rigole pas avec toi. Hein. Non. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Je veux manger. Lui, il a dit non. Est-ce que tu vas être dans la bouche de Yvelin? Il a dit non. Tu peux rien lui faire. Il va te taper après. C'est pas moi, il va te taper. Tu veux vraiment pas que je mange? C'est pas moi, c'est lui, il veut pas. Bon, là. Ah, merci ma soeur de me donner un bout. Merci, Barak Laoufi. D'abord, je te trompe dans la sauce, après, je te le donne. Oh là 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 là, arrête, tu prends la caméra. Oh là là là, il est vraiment balèze. Vas-y, c'est carré le S. Lincoln Lab, notre frère, il est trop bon, il est super. Wouh! Hey les gars, imaginez, on pourrait tous aller en moto à l'école, dans la construction, avec des motos et tout. Chacun sa moto, ça serait incroyable. Vas-y, comme ça, moi je viens, je vous prends toutes vos motos quand vous êtes en train de manger. Je repars, j'ai au moins 25 motos, c'est carré. Comment tu vas tous les conduire? Je vais appeler Yacine. Et comment vous êtes que deux? Comment vous êtes tous les... On vient, on prend une moto, on repart, on prend une moto, on repart, on prend une moto. D'ici là, on aura déjà fini de manger. Non, je pense pas, vous mettez 15 ans à manger. Regarde, regardez les gars, elle est en train de manger depuis 3 minutes, y a rien qui a été tapé, c'est une dinguerie. T'as dit quoi? T'es super fort. T'as dit que t'es super dur? Myriam, ouais. Là c'est le moment d'aller tester la trottinette et la moto. Et la motocross. Déjà, je vais mettre la GoPro, les gars. Vas-y, tu peux avancer. Est-ce que Myriam, tu veux bien? Tu prends la moto et moi je prends la grosse moto pour l'après-midi. J'ai le droit de la prendre au moins une fois dans la vidéo. Oui. On n'attend pas Yacine, c'est bon, on y va que nous deux. Oui. J'ai enfin le moment de tester la moto, mais juste avant, vous avez un code de moins 5% sur le site entier. Code Familia 5. Oh, il y a une voiture, comment on va faire? Non, non, la voiture, vous pouvez pas venir. Vous pouvez pas venir, il y a les motos, c'est mort. Oh non. Alors, David, est-ce que je mets la vitesse 3 ou pas? Envoie la vitesse 3, Myriam. Tu mets le maximum. Attends, je vais contrôler que ce soit vraiment vrai. Fais voir. Vitesse 3, c'est bon. On va mettre la GoPro, les gars. Et je vais te laisser. Si tu tombes, c'est ton problème. Non, normalement, tu tombes pas, tu sais en faire, non? Ouais, bah oui, bien sûr. J'ai essayé la vitesse 2, ça va. Wesh! 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 Wesh, comment on va grave vite? En fait, tes pieds, il faut les mettre sur les cale-pieds, Myriam. Ah ouais, mais c'est trop petit, j'ai des grands pieds. Mais non, regarde, essaye, tu vas voir, ça va le faire. Vas-y. Mets tes pieds sur le cale-pied. Ah ouais. Voilà. Poum, poum, poum. Bah, les gars, mes impressions, c'est que c'est incroyable. C'est enfin à mon tour de tester le bijou. Les gars, j'ai déjà eu des trottinettes qui vont. Alors comme ça, on m'attend pas? On va faire les tests sans moi? Non, mais tu l'as toute la Non, journée. Mais comme ça, on m'attend pas comme ça. Non. Vous voulez faire ça sans moi? Genre en mode, moi, je suis un bouche-trou, quoi. Je suis là que pour présenter, mais j'ai pas le droit d'en faire. C'est pas ça, c'est que toi, tu l'as toute la Sors journée. Sors de là, s'il te plaît. Non, mais là. Juste, on fait. Sors de pierre là, feuille, ciseaux, pierre, feuille, ciseaux. Sors de là, s'il te plaît. Pierre, feuille, ciseaux, pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. C'est un nouveau truc que j'ai envie d'inventer tout de suite. On va tester les rails. Venez voir. Je me casse. Il va où? La moto, elle marche. Le sport, les gars, on va faire juste un petit aller-retour pour voir c'est comment. C'est parti. Alors là, on est à 5 km/h. Tranquille, on va accélérer au max. On est à 25. S'il y a une voiture qui va, je suis KO. 25 km/h, les gars, pour la trottinette. Ouais. Elle va à 25. Eh, hey, c'est une dinguerie, Yacine. Comment je suis confortable. Genre là, t'as vu, le fait de mettre mes deux pieds avec les ressorts ici, t'es super confortable. On dirait que t'as une moto. Genre, t'es bien. Regarde, genre j'avance, je mets mon clignotant. Ça fait stylé ou pas? C'est parti. Ok, accélération, virgule, petit pont. Kylian Mbappé, oh la soupape et la vitesse de Younes. Oh là 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 là. Je mets le mode normal, électrique. Là, c'est le mode électrique, les gars. Wesh, ça va trop vite. Ah, mais ça, c'est le mode des papis, les gars, le mode E. En tout cas, les gars, on est trop à l'aise. Je suis trop content parce que moi, avec mes grands pieds, là je suis bien. Allez, je peux monter avec toi comme quand je vais me chercher à l'école. J'avoue, on va voir si la trottinette, elle peut supporter nos deux poids. Donc, Myriam va monter avec moi. Donc, vas-y, monte devant. Parce que, en fait, toujours quand je vais me chercher à l'école, j'ai toujours me chercher en trottinette. Et les gars, j'en profite pour vous dire une chose, les gars, ne cherchez pas où les youtubeurs ils habitent, d'accord? C'est là, vous regardez, c'est une rue privée, c'est calme, c'est tranquille. N'allez pas déranger les voisins, n'allez pas déranger les mamans, les papas, parce que c'est du domaine du privé, d'accord? Si par exemple, vous trouvez notre adresse, vous venez chez nous, on vous recevra très mal, on sera énervé, on fera pas de photos ni rien, c'est normal, c'est du privé les gars. Allez, c'est parti, on va tester ça, Myriam, ouais. T'es prête? Allez, c'est parti. Ok. Faut que tu me dises si ça va à 25. Ça va à 21, 25. Et bien, dis, ça va combien? Ouais. On arrive à aller à 25 à 2 ou pas? 25. Let's go. Et on freine. Ouais, je t'ai freiné un peu sec là. Incroyable les gars. On a réussi à aller à 25 à 2. C'est-à-dire que ça supporte nos deux poids. Ah, elle est plus grande, du coup c'est stylé parce qu'au moins on peut monter à 2. Ouais. Et en mode, tu vois, nos pieds on n'est pas de trop. C'est trop bien. En mode j'ai bloqué la vitesse à 6 et genre ça fait que de bloquer. Vas-y, viens, essaye de faire la course là. Attends, vas-y. Je laisse les motos, elles étaient trop bien. C'est les meilleures motos du monde. Allez tous sur le site Evercross. Prenez pour vos enfants, pour vos petites sœurs. Et comme l'a dit Yacine, ne venez jamais de votre vie sonner chez moi. Je suis très méchant parce que c'est privé. Moi quand il y en a un il vient, il y en a un ou deux qui est venu dans l'année. Je l'ai très mal reçu parce que c'est les parents, c'est privé, il y a des voisins, on vient pas chez les gens. Chez moi, c'est pas Carrefour. Tu crois que tu m'as tracé? Et ben là, on va voir si t'es fort au ping-pong. Là, on va faire un match sur un point et après, on va faire un est-ce que tu sais. Mais je vais t'éclater, je suis plus fort de la famille au ping-pong. T'es sûr? Okay. Donc, toi là, t'as mis, regardez, le camp de Yacine, il est ici. Exactement. Et le camp de Myriam, il est là-bas. Ouais, vive le camp de Myriam, vive le camp de Myriam, vive le camp de Myriam. Vous allez voir ce que je vais lui faire, je vais l'éclater. Vas-y, c'est parti. 3. Non mais il y a que 1-0, crois pas, ça va jusqu'à 2. Allez, moi je suis gentil, je te mets des ballons en l'air et tu smash. Ok, c'est parti. Ok,
Ok. 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 Je fais la marine. Hein. Ouais. Ok, facile, c'est parti. Non, moi je le faisais plus rapide. Ok, est-ce que tu sais faire ça, Myriam? Vas-y. Tu jongles. Tour du monde. Allez hop. Tu jongles. Tour du monde. Mais quoi? 1-0 pour moi. Mais quoi? T'as fait un rebond, t'as pas le droit. Ah, tu jongles. Tour du monde. Oh, je vais me tuer là. Myriam, je suis désolé, mais Yacine est fort que toi au ping-pong. Et ouais. Et en plus, je c'était même pas mon vrai niveau là. Regardez. Tu vois, là je régale. On a passé une journée incroyable, Myriam. Yacine, Yacine, on a oublié de mettre un casque. Les gars, oui, c'est vrai. Les gars, oubliez pas de mettre un casque, lui, c'est parce qu'on est des fous de la psychiatrie. Mais imagine, on serait blessé. Ouais, mais nous, après, en vrai, devant, on en a pas fait comme des fous. On en a fait même pas 5 minutes. Donc, vous, en vrai, les gars, oubliez pas de mettre un casque si vous devez en faire longtemps parce que ça peut être dangereux. Ça va à 25 km/h, donc c'est une vitesse où si tu tombes, ça peut être super dangereux. Entre les deux, t'as préféré laquelle? Moi, en vrai, de vrai, bah, en vrai, c'est ma moto. La moto, moi, je préfère celle-là. Celle-là, elle est incroyable. En vrai, ça dépend des grands et des petits, mais en tout cas, c'est un banger. En plus, c'est en mode électrique, ça fait pas trop de bruit, du coup, c'est stylé. Mais en tout cas, on va vous laisser, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ciao!